faut venir jusqu'ici pour le croire. Il faut voir la cité de ses phares. Le premier de ses thés sera amer comme la mort. Le second, doux comme la vie. Et le dernier, sucré comme l'amour. Mes pas m'ont conduit dans le Tassili Nadjer, un plateau de grès à plus de 1000 mètres d'altitude, entièrement sculpté, tailladé. Pendant des millions d'années, son sol a été raviné par les eaux. Puis, avec la sécheresse, ce fut autour du vent. Partout, le sable et le vent ont dessiné des silhouettes étonnantes, propices à l'imagination. Façades immenses, ces avenues perpendiculaires, ces places, ces rues. Ces phares est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1982. Mais ce n'est pas pour cette extraordinaire création du vent, c'est pour ce qui est caché ici. ...15 000 dessins et peintures rupestres ornent les murs de cette monumentale cité naturelle. Ces phares du Tassili Nadjer est un des plus vastes ensembles d'art rupestre préhistorique au monde. On y découvre d'immenses récits de guerre, de conquête, de civilisations perdues. On découvre aussi combien ce désert n'a pas toujours été aride. C'était une savane, un monde peuplé de girafes, de buffles ou de rhinocéros. 15 000 œuvres qui racontent 6 000 ans de changement du climat, de migration de la faune et d'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara, comme un grand livre du désert. Et comme souvent, un livre qui contient des mystères, à commencer par celui de ces êtres étranges qui apparaissent dans certains dessins et dont les formes n'indiquent ni un animal, ni vraiment un humain. Sont les voyageurs qui s'aventurent au-delà de la cité de ses phares. Personne ou presque n'arrive jusqu'ici. Les phares, quand vous ne l'avez jamais vu, à plus de 500 mètres d'altitude, une véritable ville, avec ses avenues, ses montagnes, qui ressemblent à des immeubles. Ces vues aériennes nous rappellent à quel point nous sommes petits face à l'immensité du Tassili Nadjer. De l'eau coulait dans ses canyons. Des hommes et des femmes vivaient ici. On s'arrête, on se tourne pour voir si nous sommes vraiment seuls. Ici, la nature a su prendre son temps pour façonner ses œuvres majestueuses. Sans guide expérimenté, impossible de trouver son chemin, impossible de sortir vivant de cette ville impressionnante. Sur ma route, les seuls humains que je croise sont des morts, des tombeaux qui remontent au néolithique. Les plus anciens datent d'environ 6000 ans. Ce sont de simples enclos. Au centre, un tumulus contient une chambre funéraire.
Les découvertes commencent avec les peintures des scènes pastorales qui remontent de 8000 à 5000 ans avant Jésus-Christ. Des peintures encore fraîches, comme si les artistes du néolithique venaient de quitter les lieux. On se retrouve ici dans le côté de Safar noir, dans le Tassili Nager. Et là, ce tableau, il représente une scène pastorale où on voit des personnages avec les bifs et les girafes qui dataient de 13 000 ans avant Jésus-Christ. Et en général, les peintures ici sont faites de trois couleurs. Il y a les rouges, il y a les noirs, il y a les blancs. Les blancs, ils parviennent des Kaoula, c'est un roche qu'on trouve ici. Et les rouges, ils viennent de l'ocre rouge, aussi c'est un pierre qu'on trouve dans la région. Et les noirs, ils viennent d'extraire des charbons du bois et des os calcinés. Il y a des personnes qui demandent pourquoi ces peintures, ils sont résistées jusqu'à aujourd'hui. Et là, selon les scientifiques, il paraît que le dessinateur, il a utilisé des sangs comme fixateur des peintures avec des résines végétaux. Et ça, c'est ce qui a donné que la peinture est restée en bien évidence jusqu'à aujourd'hui. هادو مشغل حاشيه هكذا راهم يعبدوا فيه راهم يتعبدوا والحيوانات وكاع اللي ما جاش اللي ما جاش لهناك اللي ما جاش كاع ما شاف والو هذا هو الصح. Au fil des kilomètres, le groupe se soude. Nos touristes découvrent Safar. Safar est une ville mythique. C'est une ville qui attire beaucoup de gens. Je l'ai confirmé avec les gens du groupe, qui attire beaucoup de gens qui viennent ici, pas pour le désert, pas pour les... Mais il y a une autre dimension. C'est la paix intérieure. On a l'impression qu'on se retrouve soi-même et on a cette impression de paix intérieure. Je savais déjà que c'était majestueux, mais là, être au milieu de ce... Enfin, je dirais un tableau, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. C'est juste waouh, il y a aucun mot qui peut décrire ce que je vis là actuellement. Trois jours de découverte n'ont pas suffi de percer les mystères de Safar, mais il est déjà temps de rebrousser chemin. Retour à la casserole. Yeah, what did I say?